Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec ce kit de pâte à modeler Play-Doh gourmandise glacée. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans ce kit. Nous avons bien sûr de la pâte à modeler jaune, marron, rose et mauve, bleu, blanche, orange et verte aux pépites de chocolat. Là, nous avons une petite coupe et en voici une autre. Il y a aussi ce moule pour faire des esquimaux. Voilà, avec ce bâtonnet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a cet autre moule pour faire plein de petits bonbons qu'on peut rajouter sur les glaces et des gaufres. Et ça nous permettra de faire les cornets de nos glaces. Il y a également une cuillère à glace. Et il y a cet instrument qu'on va utiliser pour les cornets. Et il y a finalement deux pots. Tout est prêt pour commencer à faire nos délicieuses glaces. La première sera à la vanille et à la menthe aux pépites de chocolat. Donc on en prend un petit peu en blanc, en vert, et on va tout de suite commencer à assembler notre glace. Voilà, et on va maintenant la décorer. Elle est presque prête, il manque un dernier détail. Et voilà, la première glace est prête avec les pailles. Elle a l'air super bonne. Et je crois que Mini veut celle-là. Elle est super bonne cette glace. Il est temps de faire la prochaine. Voilà, on va lui rajouter un petit pretzel. Et notre deuxième glace, à la fraise, au chocolat et à la vanille, est prête. Et je crois que Mini la veut également. Elle a l'air très très bonne. Je confirme, elle est délicieuse. Ah bah tant mieux Mini, tu vas te régaler. La prochaine glace sera à la vanille et au chocolat. On va les mélanger comme ceci pour avoir un petit effet marbré. La troisième glace est prête et elle m'a l'air très appétissante. Et celle-ci, c'est pour Mickey. Et je crois qu'il est en train de se régaler. Pour la prochaine, nous allons faire un cornet avec ce moule,
Donc, il faut appuyer très très fort. Voilà. Et ensuite, enlever l'excès de pâte tout autour, comme ceci. Puis prendre l'instrument orange et mettre la pâte tout autour pour former le cornet. Voilà, il ne reste plus qu'à faire la boule. Et là, notre glace à la pistache ou à la menthe, comme vous préférez, avec des pépites de chocolat est prête. Miam, miam, miam. Elle a l'air très très bonne celle-là aussi. Et on va la donner aussi à Mickey. La prochaine sera une glace à la vanille. Et voilà, la quatrième glace est prête et celle-ci sera aussi pour Mickey. C'est vraiment un grand gourmand, il en a déjà trois. Mais ce n'est pas fini car maintenant on va faire les Esquimaux et le premier aura les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on va le faire avec ce moule. Et voilà, le premier Esquimau aux couleurs de l'arc-en-ciel est prêt. Il a l'air très appétissant celui-là aussi. La prochaine glace sera au parfum myrtille. Notre deuxième Esquimau est presque prêt. On va maintenant lui rajouter quelques petites décorations, des bonbons orange. Et voilà notre deuxième Esquimau. Le troisième aura de très jolies couleurs, bleu, rose et blanc. Tiens, je me demande à quel parfum il est celui-là. Il a l'air très rafraîchissant. Et maintenant pour le dernier Esquimau, on va mélanger de la vanille et de l'orange pour avoir un effet marbré comme tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne.
et notre dernier esquimau à la vanille et à l'orange est prêt. Et il a l'air lui aussi très très bon. Nous venons de préparer plein de glaces pour Mickey et Minnie qui vont se régaler. Il y avait des esquimaux, des cornets de glace, des coupes glacées, des sundaes, avec de la crème, des petits bonbons, des pretzels, des nounours, bref, de délicieuses glaces qui vont faire la joie de Mickey et Minnie. J'espère que cette vidéo sur les glaces en pâte à modeler vous a plu. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.